La MGEN, c'est une mutuelle donc, de santé qui couvre près de 4 millions d'adhérents sur le territoire français, dont près de 65 000 sur les Yvelines. Elle s'organise autour de trois métiers, la gestion du régime obligatoire pour les fonctionnaires de l'éducation nationale et d'autres personnels, la complémentaire santé et prévoyance et la gestion d'établissements sanitaires et sociaux sur tout le territoire national. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a la chance d'avoir sur son territoire l'Institut de la Verrière, qui a été rénové et repensé, livré il y a maintenant 2 ans. L'ambition de la MGEN ici est de proposer une offre de soins et d'accompagnement à tous les âges de la vie, puisqu'on a un pôle psychiatrique de l'enfance jusqu'à la prise en charge des personnes âgées au sein de l'EHPAD et en unité de soins palliatifs. La MGEN est une mutuelle, elle est une des 4 grandes familles de l'économie sociale et solidaire telles qu'elles sont définies dans la loi Hamon. La MGEN respecte les piliers fondamentaux de l'économie sociale et solidaire puisque sa gouvernance est démocratique. Quand une personne adhère à la MGEN, elle a une voix. On respecte le principe d'une personne, une voix, quel que soit le niveau de cotisation, quelle que soit sa place au sein de la MGEN. La MGEN est une entreprise non lucrative. Aucun bénéfice ne sont reversés à d'autres objectifs que la pérennisation de l'activité et du modèle économique. Donc la MGEN, il faut le savoir, reverse 78% de ses cotisations en prestations aux adhérents et le reste est vraiment à la pérennisation du modèle économique. La MGEN respecte aussi le principe d'utilité sociale puisqu'elle répond à des besoins de société en termes de santé et de prévoyance. Il y a une volonté de proximité avec 2 espaces sur le département des Yvelines, donc le premier à Poissy et le second qui est la section départementale à Montigny-le-Bretonneux. Et c'est environ 18 salariés qui sont présents pour accueillir et conseiller nos adhérents. Sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, la MGEN génère un peu plus de 700 emplois. La MGEN dans les Yvelines, c'est aussi un comité départemental composé d'élus, adhérents qui sont élu par l'ensemble des adhérents du département. Le comité départemental y participe à la vie démocratique de la MGEN, c'en est même le socle. Le comité départemental, c'est aussi des actions de prévention réalisées en coopération avec des acteurs du territoire comme la CRES, la CNAM et des entreprises de l'ESS des Yvelines.